Mon gros carton. Roi des Okay. cartons. J'aime pouvoir t'ouvrir et voir ce C'est qu'il y a ça. dedans. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Zouglut a raté, foiré mon effet. Voilà, intervenu. C'est pas grave, de toute façon, j'étais mal parti. Je savais pas où j'allais dans ma chanson. C'est les joies de l'improvisation. Aujourd'hui, nous sommes un jour. Jeudi 3 janvier 2019, il est 10h13. Je suis encore mal réveillé puisque je me suis réveillé il y a 5 minutes. On a eu la sonnette pour une livraison, donc livreur DPD, c'est ça? Ouais. DPD, c'est les initiales. DPD, c'est pas, voilà, c'est pas un mot pas très joli à dire. Non, oui, c'est une commande de Tassimo qu'on avait faite un certain moment avant Noël. La semaine avant le 21, donc ça fait deux semaines avant Noël. Ça fait des années qu'on fait des commandes Ça fait trois Tassimo et en semaines. général c'est une à deux semaines. Bon, c'est vrai que là il y avait les périodes de Noël, tout ça, mais à un moment donné on n'avait plus aucune nouvelle. J'allais sur les. Qu'est-ce que tu fais de la neige? J'allais sur le suivi du colis, mais le suivi n'était pas mis à jour. Depuis que ça a été remis au livreur et il se passait rien, ça bougeait pas. On n'avait aucune information. Un jour, j'en ai eu marre. J'ai envoyé un email à Tassimo disant que voilà, j'aimerais bien savoir où ça en est, tout ça, que voilà. Et comme par hasard, quelques heures plus tard, le jour même, on a eu des nouvelles que le colis avançait, tout ça, avec la possibilité de De choisir choisir une la date. date de livraison. Donc, on a choisi une date qui nous arrangeait, on était sûr d'être là. Et puis donc voilà, le méga colis, la méga commande. Ça fait des années qu'on était à Cafetière Tassimo, qu'on adore. On aime bien le café, mais pas que. On aime aussi le thé, le chocolat, tout ça. Donc c'est vraiment pratique. Elle avait été offerte par ma maman. Et du coup, ça nous arrive des fois de faire des commandes sur le site internet Tassimo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de choix sur le site internet que dans les magasins, les supermarchés, tout ça. Bref, très On bref. avait eu une En plus, super c'était bonne une promo. super promotion. Alors, on sait pas trop comment, si c'était un bug ou quoi, mais en fait, c'était le moins combien? Moins 40%, on Moi, a eu la deux, semaine. oui, c'était deux fois moins 20% en fait. Ouais. En fait, sur chaque produit de Tassimo commandé, en fait, tu avais la réduction de moins 20% s'appliquait en double en fait. Il fallait faire une commande à peu près de 40 euros pour que, 45. 45 euros pour que ça passe en mode réduction. Et là, donc, on pense que c'était un bug. En fait, c'est deux fois, chaque produit était On deux sait pas fois si c'est un réduit. bug. Oui, ou si c'était un truc spécial pour Noël, mais enfin, chaque produit était doublement moins 20%, ça faisait du moins 40. Et du coup, ça nous est revenu à combien le paquet de café? T'avais fait le calcul, Ah, toi? je sais plus, en tout, on a eu pour 34 quelque chose des 12 paquets. On en a eu pour 34 euros quelque chose pour 12 paquets de Ça café. fait Et moins de 3 euros le paquet, à ouais, peu voilà, ça près. fait moins 3 euros le paquet. En sachant qu'en supermarché, ça peut monter jusqu'à 4 et quelques, voire 5 euros le paquet. Je sors les boîtes une par une. Hey, t'es impatient, t'es oublié. Alors, on a Kenko. Donc, on a aussi des marques que l'on ne trouve pas évidemment au supermarché. Ça, c'est pour moi. Du Mocha. Ouais, j'en goûterais bien quand même, ça a l'air On appétissant. en a déjà eu. T'as déjà goûté. Oui, mais je goûterai à nouveau, ça fait longtemps, je me souviens plus du goût. Ouais, du Mocha de la marque Kenko, bien sympa. On a rien pour les stocker. Oh, on trouvera, t'inquiète pas. Ensuite, de la marque L'Or, Ça, c'est pour toi. Espresso, ah bon? Ah non? Latte macchiato caramel. Ah, c'est pour nous. Ça aussi, c'est super bon, les macchiato caramel. Parce que l'or, c'est très fort, normalement. C'est pour ça que je te disais que c'était pour toi. Vous regardez les Mais boîtes parce que avant. j'aime pas le café fort. Café crème intense XL. Ah, je ne savais plus qu'on avait pris ça. Marc Jacob, j'espère que ce n'est pas une erreur. Normalement, non. Je me souviens que tu avais pris du XL, un XL, mais je m'en rappelais plus. Ouais, je me souvenais plus de ça. Il faudra vérifier qu'ils n'ont pas remplacé un produit par un produit. Café au lait, ça je me souviens. La marque grand-mère. Ensuite, ça, je me souviens. Du chocolat, donc du Oreo. Ah, ça c'est pour toi. Tu veux, t'as pris des trucs rien que pour toi. Voilà. Attention, Oreo, j'aime Là, pas. du cappuccino de la marque Kenko.
Ah, les paquets sont bien frais et tout. Bah Comme s'ils étaient dans un camion réfrigéré. Ensuite, ça, c'est pour moi. Alors, du Quinco 100% colombien. Ça, c'est bon, ça. Avant, ils faisaient du café d'Amazonie, mais ils ont stoppé dans la terre. C'est dommage. Moi, j'aimais bien aussi le New Yorkais, puis l'Italien aussi. Il y avait le Milano qui était pas mal, et puis il y avait aussi l'Espagnol aussi, le con leche qui était bon aussi. Allez, encore 5. Alors, ensuite, du Macchiato Caramel de la marque Gevalia, ou Gevalia, je sais pas comment ça se prononce. Là, c'est bien appétissant. Ensuite, on a encore du Macchiato Caramel de la marque Jacobs. C'est ce qu'on avait hésité, je crois. Il semble qu'on avait pris trois sortes de Macchiato Caramel différents. Ensuite, on a du cappuccino de la marque Gevalia. Ensuite, on a des cales pour les trucs à café. Ah, oui, le thé. Le thé aux fruits, là, Rouge. fruits rouges, ouais. Oui, mais ce qu'ils n'ont pas très bien en français. On le trouve pas du tout en grande surface et ça, c'est plutôt cool. Donc, il est vraiment bon. C'est pas notre préféré. Notre préféré, c'était le thé à la rose, mais ils ne font plus du tout. C'est dommage. Il était vraiment super. Et puis, pour finir, donc, un café vraiment intéressant, une nouveauté qui est pile dans la période des fêtes. Bon, ça arrive un petit peu en retard. Mais voilà, c'est du macchiato C'est latte du macchiato. au parfum pain d'épices de la marque Jacobs. Voilà. Du café pain d'épices en macchiato. Donc voilà, en plus avec un petit habillage de Noël, tout ça. Donc voilà, c'est bien sympa. Donc je sais vraiment pas trop ce que ça peut donner au niveau du goût, si c'est bon ou pas. Mais voilà, il fallait vraiment goûter, tester, voir ce que ça vaut. En tout cas, ça a l'air bien sympa. Et c'est marqué limited edition en plus, dans le petit Bah, carré. édition limitée. Voilà. Et puis là, on a le récapitulatif des commandes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 produits. Je savais que c'était le sport. Bon, je me pose quand même la question sur le Jacob XR. Jacob XL. Je vais vérifier dans le truc de commande, mais je pense que c'est bon. Et puis, ouais, je vais peut-être mettre un petit mot. Je vais peut-être mettre un petit mot dans la description pour confirmer que c'était bien ce que j'avais ou en commentaire de la vidéo, si c'était bien ce que j'avais prévu, mais normalement il n'y a pas de raison qu'on a fait je sais pas combien de commandes sur le site Asimo, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu de produit qui était changé, rien. Donc je pense pas, c'est juste qu'à un moment donné, voilà, on a. Si, c'est marqué café Tréma Intention XL. Ouais, non, mais après, est-ce que. Des fois, tu sais, ça peut arriver qu'à la commande sur des sites, tu sais, C'est informatique, hein, donc. ouais. Non, mais je vérifierai quand même, mais je pense que c'est bon. Donc voilà, ouais, c'est quand même une belle commande. On va avoir du café, du chocolat, du thé pour un petit moment. Voilà. Allez. Allez, faut le ranger. C'est pas terrible, ton tu. Voilà. Allez, à très très bientôt. Et ah oui, pourquoi je suis fatigué en fait? Oui, parce que j'ai joué beaucoup Oui, parce que juste 5 h du mat. 4h50. Oui, Oui, j'ai à joué. 5 h du mat, tu m'embêtais pour. J'ai joué à phase 76. Au départ, je pensais jouer une petite heure. Et puis en fait, j'ai été bloqué sur une quête qui était buggée. J'arrivais pas à la faire. C'était un problème dystopique, ou non pas dystopique. Prototypique, la quête problème prototypique était buggée que par deux reprises j'arrivais pas à la faire, tout ça. Je me suis acharné pendant des heures et des heures ces derniers jours, je n'arrivais pas. Il y avait rien à faire, j'avais vérifié sur internet, pourtant je faisais tout bien. J'avais vérifié sur des let's play, il y avait rien à faire, impossible. Le board ne voulait pas s'activer, donc il y avait rien à faire. Donc, à un moment donné, j'ai posé la question. Je suis allé sur jeuxvideo.com, j'ai posé la question sur un sujet. Quelqu'un m'a répondu, il m'a dit enlève tous les holobands qui traînent dans ton inventaire et tu verras, c'est magique. Alors, ben, le problème, c'est que cette Ça quête. n'a rien à voir avec la Simon. Oui, non, mais c'est pour expliquer comme quoi ben, je suis arrivé un peu fatigué, tout ça. J'explique, ça intéresse peut-être les gens qui veulent en savoir plus sur Fallout 76, quand même. C'est le jeu du moment. Oui, mais Le c'est jeu qui fait pas. On est dans le parler, le dernier, jeu là. qui a fait scandale à plusieurs reprises, avec le fameux histoire du sac de l'affaire Collector, avec l'histoire du Nuka Dark qui est pas si intéressant que ça.
avec Bon, l'histoire du. ceux qui sont comme moi, qui trouvent qu'il n'y a rien à voir avec la vidéo Tassimo, mettez en commentaire, rien à voir. Oui, mais c'est intéressant quand même. Et donc, pour cette fameuse quête, problème prototypique en fait, donc j'avais tous mes équipements qui étaient cassés, j'avais plus de nourriture, j'avais plus d'eau, j'avais plus de soins. Alors j'étais parti dans le quartier général de la confrérie de l'acier, donc je suis allé me balader dans l'ancien asile psychiatrique, puis c'est devenu le QG de la confrérie de l'acier. Donc je suis allé là-bas, je connaissais l'endroit, je me suis téléporté parce que bon, si j'y allais à pied, ça aurait pris du temps, mais donc du coup j'ai sacrifié des capsules pour me téléporter, j'ai récupéré de la fibre balistique, un ingrédient vital pour mes réparations. Je pensais avoir récupéré assez, mais en fait non. Et j'étais trop chargé, même avec mon armure assistée, donc je pouvais pas me TP. Donc je traversais une route en Ouais, je espérant ne connais un pas peu ce jeu. trop rencontrer de difficultés. Et puis je suis tombé sur un camp d'un joueur qui traînait. Et puis là, donc évidemment, il avait mis un poste de réparation d'armure assistée. Parce que oui, dans le quartier QG d'armure assistée, tu peux réparer tes armes, mais tu peux pas réparer tes armures. Donc j'étais en train d'utiliser le poste de réparation d'armure du joueur. Quand un loup m'attaquait, donc je me suis défendu forcément, et il est allé m'attaquer dans le camp de l'autre joueur, parce que l'autre joueur n'avait pas mis de tour et rien. Donc voilà, j'étais pris dépourvu, donc je me suis défendu. Sauf qu'il y a une balle perdue qui a dû toucher un mur du camp du joueur, et du coup, il y a eu un avis de recherche qui s'est collé sur mon personnage. Et donc je me suis demandé, mince alors, j'ai encore toutes mes ressources, si on m'attaque et qu'on me tue, mes ressources vont être par terre, je vais les perdre tout ça. Bon. J'ai continué à marcher, j'ai affronté des super mutants, j'ai affronté moult ennemis, j'ai réussi à finalement. Oui, bon, j'avais quand même pu faire des réparations, mais pas tout réparer. Il y avait certaines pièces et en fait, j'avais pas assez de fibre balistique. Donc, j'ai pu marcher jusqu'à une gare. Cette gare, finalement, j'ai dépensé 300 capsules à un robot pour acheter 10 fibres balistiques. Ça fait chier, c'est cher, mais bon, j'ai fini de réparer mon équipement. Finalement, je suis retourné. Donc j'ai profité pour virer toutes mes holobandes qui n'étaient pas de quête pour les mettre dans ma cache. Je suis allé reprendre ma quête pour problème prototypique. Là, bizarrement, ça a marché du premier coup. C'est rentré comme dans du beurre. Donc effectivement, donc il y a les holobandes que l'on a dans notre inventaire entrent en conflit avec l'holoband de quête pour cette quête-là. Donc il faut, si on ne vire pas tous les holobands de son inventaire, on ne peut tout simplement pas faire la quête, du moins sur PS4, puisqu'elle est buggée. Donc voilà, c'est un bug à la con. Donc c'est une astuce à savoir, il faut virer tous les holobands qui ne servent à rien. Tous les holobandes que l'on a qui sont de quête, mais des quêtes qu'on n'a pas encore fait, il y a un losange et on ne peut pas les virer de toute façon. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Après, donc j'avais fini donc pour les trois équipements pour ma quête de la confrérie du mystère, des maîtresses du mystère. J'étais dans le bâtiment, tout ça pour me rester une ou deux ressources, mais pas grand chose. Il y a un joueur qui s'est pointé comme une fleur avec sa mitraillette, il m'a allumé en 2 secondes, j'étais mort. J'ai même pas eu le temps d'aller récupérer mes ressources. Je me suis à peine retéléporté sur le bâtiment, sur le lieu où j'étais mort, avec marqué joueur, vos ressources ont été récupérées, lootées par un autre joueur. Donc voilà, ça c'est fait. Donc j'ai avancé dans mes quêtes pour les trucs du mystère, tout ça. Et puis à un moment donné, pendant plusieurs heures, ça marchait bien. Et puis au bout de 3 heures de jeu, le serveur plantait, changer de serveur, ça plantait aussi, ça marchait pas. Enfin, tout un bazar. Puis à un moment Une donné, je vidéo me suis dit, Tassimo, t'as je 3 heures reprendais. de Ah, mais Zouglut, ça intéresse peut-être les gens. Puis à un moment Non, ça donné, intéresse pas je les suis gens. revenu dans mon camp. Et puis en me disant, bon, je vais voir 2-3 bricoles dans mon camp, peut-être regarder les derniers plans d'armes ou tout ça que j'ai eu. Et puis arrêter la partie. Sauf que tu peux arrêter de râler, j'en arrive à la conclusion. Sauf que j'en arrivais à la fin, sauf que là d'un coup j'ai eu écran bleu, code d'erreur PS4, et quand c'est ça, en fait ça sert à rien de relancer le jeu, parce que quand on a un écran bleu de code d'erreur PS4, et que si on relance le jeu x76, au bout de 2 minutes on a à nouveau l'écran bleu code d'erreur et ça plante en boucle. La seule solution d'enlever ce code d'erreur à la con, c'est de redémarrer la console, et ça se reprit du temps. Et vu l'heure qu'il était, je me suis dit, bon ben voilà, j'arrête de jouer pour ce soir, j'ai quand même bien avancé, et puis voilà. Et donc voilà. Tout ça pour en venir là, que j'étais claqué, le livre est arrivé, et du coup j'ai quasiment pas dormi, enfin très peu, quelques heures seulement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Voilà, ça fait bien plaisir depuis longtemps qu'on attendait cette commentation, Simon. Allez, je vous dis, c'est vrai que Zouglut, tu détestes quand je fais du hors-sujet.
Enfin bon, voilà, ça me fait plaisir quand même. Allez, à très bientôt. Au revoir.